Ça t'a plu? C'est pas mal? C'est tout ce que tu trouves à me dire? Enfin, des journées entières à répéter, à apprendre une chorégraphie? Et toi, tu trouves ça pas mal? J'aurais voulu qu'on se parle de nous deux. De notre couple, quoi. Tu m'aimes plus, c'est ça? Oh, tout de suite, les raccourcis, toi. C'est juste que toi et moi, Lisa, ça fait 10 ans. Et 10 ans pour un couple aujourd'hui, moi j'ai envie de dire... Bravo. Mais 10 ans, ça suffit. Tu vois, pour nos parents, 10 ans, c'était rien du tout. Mais ils vivaient à une autre époque où tout allait moins vite. Mais 10 ans, c'est rien. Mais enfin, chérie, on a vécu des moments formidables. On a une famille modèle. Et toi, tu veux tout gâcher à cause de ton nouveau portable. Je suis désolé, Lisa. T'as plus de désir. Comment ça, t'as plus de désir? Bah, la Lisa que j'ai draguée il y a 10 ans, je la trouvais rayonnante, lumineuse, pétillante. Et là, il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz? Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu crois quoi, toi? Oh, tu crois quoi? Que le temps n'a pas d'emprise sur toi, que c'est magique, c'est ça? Mais regarde-toi dans une glace! Regarde-toi dans une glace, bon sang! T'as du ventre! Tous les matins, t'as une haleine de poney! Passe tes dimanches vautrés sur ton canapé à regarder téléfoot en buvant de la bière, alors ça, c'est sûr, toi, t'en as du gaz! Tu me fais plus l'amour que dans une seule position, histoire de pouvoir regarder la télé en même temps. Tu crois que ça me fait rêver, ça? Tu crois que c'est pour ça que j'ai signé, moi? Merde, hein? Et mon haleine, c'est de ta faute aussi. Madame, elle l'a mis sur la table basse, tant pis pour toi, hein. T'as quelqu'un d'autre, c'est ça? Je te préviens, Alec, hein. Je t'ai pardonné ton écart avec Stéphanie, mais il n'y aura pas de deuxième fois, hein. Alors? Tu as quelqu'un d'autre? Et qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Rien, je te jure, elle a rien de plus, sauf que... Même pas une occasion, t'es un collector! Je la connais? Mais oh, ça va pas, non? T'es sûr? Tu me prends pour qui, là? Tiens, c'est marrant parce que cet après-midi, justement, je parlais de ça avec Cécile, ma meilleure amie. Et alors quoi? Tu veux divorcer? Bah, c'est un peu le principe. On va pas vivre à trois. À moins que tu... Alors attends, moi j'essaie de faire plaisir à tout le monde, alors... Pauvre mec, va. Je t'ai tout donné, moi. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ma jeunesse, des enfants magnifiques. Et toi, tu veux tout foutre en l'air pour une pétasse neuve? Mais elle a rien à voir avec ça. C'est pas de sa faute, ni de la tienne, ni de la mienne. C'est la faute au temps qui passe. Lisa, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans. Regarde-nous, on fait plus rien ensemble. On est tombé dans une routine à la con. Je passe tous mes week-ends à bricoler. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ils ont décidé pour nous. Il y a des siècles et des siècles, hein. Monsieur et madame, vous vous mariez, très bien. Ce sera pour la vie, toute la vie. À l'époque où ils ont décidé ça, on mourait tous à 25 ans. Aujourd'hui, t'achètes une maison, c'est 30 ans de crédit immobilier. Tu sais ce que c'est 30 ans dans une vie? Mais la vraie histoire d'amour dans un couple, c'est d'où ça pétille tous les jours, combien de temps elle dure? Si on avait dû payer notre maison en même temps, on l'aurait payé sur 3 ans. Mais bravo! Mais ça veut dire quoi ça? Que ça fait 7 ans que tu m'aimes plus, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Je suis désolé, c'est la vérité, ça évolue, c'est autre chose. C'est franchement, c'est plutôt de la tendresse. Voilà, j'ai trouvé le mot exact. Aujourd'hui, pour toi, moi, j'ai une vraie tendresse. Mais tu rigoles ou quoi? Il y a pas un mois, tu m'as dit que tu m'aimais. On tombe amoureuse, nous, monsieur, on signe pas un bail. Et puis, je te rappelle que c'est toi qui es venu me chercher, hein. Tu te souviens, il y a 10 ans? À la soirée déguisée, disco, Dijon. C'est toi qui étais venu draguer, j'avais rien demandé, moi. Espèce de salaud, va.